Nous sortons de l'audience un petit peu déçus, puisqu'en fait, la directrice régionale aligne son positionnement un petit peu trop sur celui du conseil régional, en plutôt mettant en avant tous les arguments financiers. Donc, à savoir que tant pis si l'établissement remplit totalement son rôle de service public en accueillant des jeunes en difficulté, en leur redonnant goût à l'apprentissage, en leur donnant une insertion professionnelle. Donc, on se rend compte que les seuls arguments qu'ils sont capable en fait d'utiliser, c'est l'argument coût financier. Donc c'est pour ça que on va aller directement vers le décideur, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, donc le 27 juin, où on appelle à une forte mobilisation de toutes les établissements de Bourgogne-Franche-Comté, mais également de tous les établissements de France, puisqu'en fait, dans chaque région, il y a un LPA de volet en devenir et qu'il faut vraiment défendre nos petits établissements dans un souci de maintien du service public de l'enseignement en milieu rural. Sur mon volet!